J'ai créé un Brookhaven façon Minecraft. Regardez les amis, cette petite maison là, regardez, on en a plusieurs. Hop, j'en ai posé juste ici aussi. Et comme vous pouvez le voir, ces maisons sont totalement habitables. On peut rentrer dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un four, une table de construction. Enfin bref, il y a tout ce que vous voulez dans cette maison. Même une petite terrasse extérieure. Donc franchement, cette maison est plutôt sympathique. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait les décors tout autour. Donc de la map de Brookhaven. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super beau. C'est magnifique les amis. Regardez-moi toutes ces montagnes, ces cascades. Il y a même des îles volantes et tout. C'est incroyable les amis. Enfin bref, on va aller visiter un peu tout ce que j'ai posé sur la map de Brookhaven Minecraft. Et vous allez voir, on commence tout de suite par ce combat donc de l'Ender Dragon contre un Wizard. Comme vous pouvez le voir ici, l'Ender Dragon est piégé totalement entre le laser du Wizard hein, tout simplement. Regardez le Wizard, il brille là tout simplement. Il est trop stylé les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement moi, j'adore ce petit combat. Et on dirait franchement que l'Ender Dragon là, il est pas très très bien hein. À l'époque c'était le boss final, mais on dirait que maintenant il s'est fait un petit peu dépasser. J'ai aussi posé un Minecraft juste ici, comme vous pouvez le voir, un gros logo Minecraft. Ça fait toujours ça de plus et c'est plutôt joli. Voilà, au spawn j'ai réussi à mettre des petits arbres de Minecraft. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait aussi une liste de personnages. Donc là on a Herobrine, on a Steve, un creeper, ça c'est un slime, ça c'est un villageois, un petit zombie, le petit poulet, le petit cochon, ça c'est le mouton, ça c'est quoi ça? C'est un blaze il me semble, ça c'est le géant de fer et un petit archer squelette. Et là, une petite abeille trop mignonne, elle est trop gentille elle. Bah juste avant les gars, j'ai quelque chose à vous dire. J'offre tous les jours des Robux à mes abonnés. Et pour participer, tu as juste à t'abonner et à liker cette vidéo. Tu dois aussi me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires et je choisirai un au hasard parmi vous. Aussi, dites-moi si vous avez déjà joué à Minecraft. Donc dites-moi si vous avez aimé ce jeu. Moi perso, ça a été un de mes jeux préférés Minecraft. J'adore ce jeu, vraiment incroyable comme jeu. J'ai trop kiffé y jouer quand j'étais petit et tout. Enfin maintenant j'y joue plus trop, je vous avoue. Mais bon, ça me fait plaisir de rappeler un peu toute cette nostalgie de Minecraft. En plus sur Brookhaven, donc franchement ça fait super plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite discussion d'un zombie face à un PNJ. Et franchement là je sais pas ce qu'ils sont en train de se dire, mais à mon avis ils ont beaucoup de choses à dire. Donc on va les laisser un peu tranquilles. Ici on a le fameux coffre de Minecraft, tellement emblématique ce coffre. Par ici je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre une petite forêt, pourquoi pas. Donc je me suis permis hop là de poser quelques petits arbres, des petits blocs et tout. Donc voilà, bon on dirait que j'ai un peu foiré ma maison. On va pas faire trop attention à cette maison les amis, c'est pas très grave. Mais bref, regardez un peu les arbres, bon il y en a qui sont un peu dans le sol. Vous m'excuserez, j'espère les amis, d'avoir un peu fait bugger tout ça. Regardez cette petite structure là, avec les petits arbres comme d'habitude, hop. C'est vraiment magnifique, donc voilà, j'adore vraiment, c'est trop stylé. Ici les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai fait, donc j'ai posé plusieurs zombies, des squelettes et des creepers les amis. Donc là c'est un peu la bataille. La bataille de Minecraft Brookhaven juste ici les gars, c'est un peu n'importe quoi. Et regardez ici, il y a un petit creeper qui se repose. Il a pas envie d'exploser au combat. Donc voilà, on va le laisser un peu se reposer. On va le mettre bien le frérot, on va le laisser là. Il est plutôt posé. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite bataille un peu des monstres de Minecraft. Vraiment j'adore. Ici vous l'aurez sûrement vu, là il y a une maison donc de vous allez voir c'est qui à l'intérieur. Attention, et oui c'est Steve. Les amis, c'est le personnage principal de Minecraft. Donc je lui ai fait une maison plutôt stylée hein, comme vous pouvez le voir, elle est jolie, elle est éclairée et tout. Là je lui ai mis une petite lanterne. Là normalement voilà le petit tapis rouge et tout, c'est sympa. Là il a son petit lit, sa petite épée en diams les gars, pour aller taper du creeper ou même faire du PVP. Donc Steve il est là, il est chaud les gars, c'est Steve character, il est trop chaud. Donc voilà, on va le laisser un peu tranquille chez lui parce que là il me dit de partir. Donc bon allez Steve, je te dis à la prochaine mon pote, allez ciao mon pote, on se revoit à bientôt, allez bisous. Regardez, on voit une sorte de forme dans le ciel les amis, et on va aller voir tout de suite ce que c'est. On dirait qu'il a envie de rejoindre un peu ce combat là, donc on va aller voir ce que c'est. Je sais pas du tout, attention, on va aller voir, hop, on se rapproche un petit peu. Et qu'est-ce que c'est? C'est encore un wizard les amis. Oh là là, il tient un bloc de commande les gars, mais qu'est-ce qu'il veut faire ce wizard les gars? Regardez-le, oh là là, il est imposant les gars, il est énorme. Bon, il est pas aussi gros que celui-là, mais il est quand même balèze, hein, et je pense que... Les deux là sont alliés, donc ils vont aller taper Ender Dragon ensemble. Et franchement je donne pas cher de la peau de l'Ender Dragon. Bon les amis, je vous ai réservé un petit secret. Donc là c'est sous la map de... Enfin dans la petite grotte secrète. Donc on va y rentrer tout doucement les gars. Hop hop hop, on va dans la grotte. Et là vous allez voir les amis, regardez ce que je vous ai préparé les gars.
Regardez, on a donc de la petite lave, les portails, les fameux portails du Nether. Donc j'en ai mis deux, je sais pas pourquoi j'en ai mis deux, j'aurais pu en mettre qu'un, il est vrai que... Donc on va en enlever un. Je vous ai préparé cette petite surprise pour les nostalgiques. Donc j'ai pas pu fabriquer totalement le Nether, hein. Vous vous doutez bien, c'est un peu compliqué pour moi, pour moi de fabriquer ça. Je suis pas créateur de jeux vidéo, mais j'ai essayé de vous préparer ça. Donc voilà, j'ai mis des petits ghasts. C'est vrai que j'aurais pu mettre d'autres mobs, hein. J'ai pas fait trop d'efforts finalement. Vous pouvez disliker cette vidéo si vous avez envie. Enfin, j'ai donné vraiment ce que j'avais envie de donner. Vraiment, je me suis amusé à faire cette map. Donc j'espère que vous ressentirez aussi le bonheur que j'ai à vous montrer ça. Les petits ghasts ici, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux avec la petite lave et bref, le petit portail. Et les amis, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Donc restez bien sur cette vidéo parce que vraiment, vous n'allez pas le regretter. Donc juste ici je vous avais préparé aussi une petite forêt. Donc voilà une petite forêt sympathique. Elle est assez grande en plus, donc je suis assez fier de moi. Et donc là j'ai placé juste deux petits détails. Un petit étarché squelette qui est posé comme ça à l'ombre, qui profite un peu de son temps. Voilà, il est posé avec son petit arc, il attend un peu. Et juste ici on a un petit mouton. Donc voilà il est, et regardez moi sa tête, il est trop bizarre le mouton je trouve. Il est un peu mal fait je trouve, hein, vraiment. Il était pas comme ça dans Minecraft dans mes souvenirs. Il était un peu mieux fait que ça, parce que regardez sa tête à lui, on dirait vraiment un personnage, mais en fait c'est vraiment un mouton. Mais enfin, oh là 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 là. Et vraiment il va pas du tout ce mouton. Enfin je le trouve vraiment trop bizarre. C'est pour ça que je l'ai mis, il me faisait vraiment rire. Donc je voulais aussi vous présenter le temple. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Minecraft on avait ça dans les déserts, mais là bon là il n'y a pas vraiment de désert. Donc je me suis dit que j'allais le poser là tout simplement. Il n'y avait pas d'autre endroit où le poser. Et quand on arrivait dans le temple, vous vous souvenez, ici on devait creuser et on avait directement un coffre il me semble. Mais il y avait des TNT, enfin je sais plus trop. Dites le moi dans les commentaires parce que vraiment je me rappelle pas. Et ça m'intéresse, et juste en dessous. Donc on retombe encore sur le Nether, mais j'ai autre chose à vous montrer les amis, vous allez voir, vous allez être surpris. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai placé une mini structure de Lego Minecraft. Donc vraiment voilà, j'ai adoré faire ce petit truc là, c'était magnifique. Regardez la petite araignée là qui est là, elle est trop mignonne. Enfin bref, la petite TNT, c'est vraiment trop mignon, on dirait des petites rails de train et tout. Enfin j'adore. T'as même un petit coffre ici là que... Voilà, dedans je dis pas ce qu'il y a parce que vous allez me le voler. Mais bon, allez, je vous le dis à vous, parce que voilà, vous allez pas me voler. Mais il y a au moins 500 diamants. Donc s'il vous plaît, prenez pas mes diamants, ce serait vraiment sympa de votre part. Et après avoir fait toute cette map de Minecraft les amis, j'ai un petit bouquet final à vous montrer les amis, vous allez être surpris. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu vraiment, en tout cas de cette map Minecraft Brookhaven. J'ai vraiment aimé la faire et je me la suis donnée. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Et maintenant tout de suite le bouquet final, attention. Et c'est ici les amis, regardez, on a un château japonais façon Minecraft les amis, c'est incroyable. Regardez-moi ça les gars, il est vraiment magnifique les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment là, vraiment je suis content de ce château, il est trop beau. J'aurais pu placer des PNJ à l'intérieur et tout, mais je l'ai pas fait malheureusement. Je m'améliorerai pour les prochaines vidéos, pour les maps, voilà. Je ferai mieux les gars. Mais voilà, pour une première map, franchement je suis vraiment trop content d'avoir fait ça et de vous le montrer. Donc vraiment soutenez-moi en vous abonnant et mettant un maximum de likes s'il vous plaît, ça me ferait vraiment super plaisir. Dites-moi aussi la prochaine fois que vous voulez aborder quel thème dans Brookhaven. Donc je pourrais faire par exemple Brookhaven Scooby-Doo, enfin bref, vous avez compris. Peu importe, dites-le moi je le ferai pour vous les gars, il n'y a pas de souci. En attendant les gars, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine les gars. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Allez, bisous.